The summoner's rift. Seconds until minions spawn. Return. Minions have spawned. Des pèlerins, je pense que Fiddlesticks a l'air de vouloir commencer du côté rouge. C'est atypique. Fiddlesticks, qui est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de mana pour faire sa habilité. Je pense qu'on va vouloir aller aider le bot lane assez rapidement et je pense qu'on va réagir de façon similaire du côté de Atlas. On va essayer de suivre le pathing de Fiddlesticks pour. Je sais pas si c'est voulu comme stratégie. On a l'air de savoir que Fiddlesticks commence à cet endroit-là pour justement miroirer le pathing du jungler. Des pèlerins de DJ Pro 209. Voilà. C'est relativement tranquille comme début. Oh, Mordekaiser. Je n'ai rien dit. Mordekaiser qui décide d'y aller très agressivement contre Garen dès le départ. Avec son passif qui fait ça, la zone autour de lui. Hein. Mordekaiser, oui, excusez-moi, c'est Johnny. Johnny qui encore. Oui. Je pense que Garen va se faire boulier légèrement dans le top lane par. Dr. Garen va se faire boulier par Johnny. Juste là, à attendre que quelque chose arrive. J'étais sûr qu'elle est encore arrivée de l'action, mais je pense que John et Matisse en profite simplement pour faire grandir son avance en termes de CS et empêcher Garen de CSer correctement. On avait été très agressif dans le mid lane, ce qui a coûté beaucoup de points de vie à Sylas. Et encore une fois, le CC de Spank Melon qui en haut. Ben du milieu qui a décidé d'y aller de façon très agressive en utilisant son Ignite. Je ne pense pas qu'il est en position de pouvoir y aller de façon aussi agressive que ça contre Spank Melon en ce moment. C'est une mauvaise posture dans le rang du milieu. Le flash de Pyronisme qui décide d'igniter en plus. MF qui doit flasher par la suite. On utilise son E pour essayer de ralentir. Fiddlesticks est aussi de la partie. Mais Belvet se met de la partie. Ah, Fiddlesticks utilise son Drain pour essayer de gaster en point de vie. Belvet doit flasher. Kai'Sa qui réussit à tuer Belvet. Et on a aussi un double kill de la part de Kai'Sa qui tue également French Zone. Oh là là, on a vraiment un beau jeu dans le bot lane de la part des pèlerins qui réussit à aller chercher un double kill contre aucun kill du côté de Atlas. Ça ne s'est pas exactement passé aussi bien qu'on l'aurait voulu du côté d'Atlas, même avec l'intervention de Kazé. Non, Kazé qui est arrivé tout simplement trop tard au combat, qui aurait pu participer s'il est arrivé 5-10 secondes, peut-être un peu plus rapidement. Et non. Bonne nouvelle du côté d'Atlas, par exemple, l'écart se creuse encore entre Johnny Matisse et Dr. Cigarette en termes de CS. 32 à 10, c'est énorme comme différence déjà à 4 minutes. Seconde. C'est Kai'Sa qui se ramasse avec un bounty de 150 gold. Peut-être qu'on va pouvoir en profiter. Qui sait? En attendant, du côté de Kazé, on lèche ses plaies. On continue à aller chercher un petit peu d'avantage. Je pense qu'il vient d'aller chercher les Raptors de DJ Pro. Oh, Sylas qui fait des jeux agressifs encore. On garde la priorité dans le mid lane avec Sylas. Probablement qu'on veut on veut revenir à la base peut-être. Non, il va rester dans son rang.
continuer à essayer de farmer davantage. Je pensais qu'elle allait chercher un bac avec ce hub. Non, on laissait vraiment beaucoup du côté de, ben, du milieu. On veut vraiment forcer quelque chose contre Spank Melon. Elle qui est un petit peu coincée par les bombes de Zillian. Les bombes de Zillian qui sont capables de zoner de façon un petit peu fatigante les ennemis, honnêtement. C'est assez grand la zone que ça couvre, ces bombes-là. Oh, Belvette qui rencontre Fiddlesticks. Fiddlesticks qui draine. Belvette qui a du CC pour arrêter son drain, par exemple. Est-ce que on y va d'avant avec Silas qui fonce. Oh, Vex qui vient d'être tombé niveau 6. Et avec l'Ignite de Spank Melon, Belvette qui va mourir encore. On fear Silas. Qu'est-ce qu'il va pouvoir s'en tirer de justesse malgré le drain de Fiddlesticks? Il n'a pas exactement eu le temps. Je pense qu'on est en bonne posture, en tout cas, pour le moment. Ça commence bien du côté des pèlerins. L'avance en or n'est pas très significative encore. Mais c'est un, je pense, un meilleur début par rapport à l'autre partie. Nous n'avons pas vu l'autre partie, mais la rapidité avec laquelle ça s'est terminé, on peut dire que ça se passe mieux cette partie-ci pour les pèlerins. Donc, Fiddlesticks qui vient rejoindre en bot lane ses amis des pèlerins, Yorism et Mazorlan. Peut-être se prépare-t-il pour le dragon. Belvette qui va être prête à répondre, mais Silas qui retourne à la base. Vex qui sera là pour répondre. Un peu plus de priorité du côté des pèlerins pour faire cet objectif-là. Belvette qui ne connaît pas le début qu'elle aurait voulu. Ben, Kazé qui ne connaît pas le début qu'elle aurait voulu. Oh, on attend peut-être ici de sauter sur Fiddlesticks qui a DJ Po qui a son niveau 6 et son ultimate. On regarde peut-être pour faire un saut avec l'ultimate de DJ Po. Mais non, on commence le dragon du côté d'Atlas, alors que DJ Po retourne à la base. Aucune vision du côté des pèlerins sur le dragon, même s'ils avaient une position qui était un peu plus avantageuse pour eux. Ils n'ont pas su prendre avantage de ça. Vex qui est occupé à se battre... Spank Melon qui est occupé de se battre contre Bête Milieu pendant que l'Atlas récupère tout simplement le dragon dans toute simplicité. Et Bête Milieu avec son jeu agressif qui garde presque toujours la priorité dans le mid lane. Capable de clearer les waves de CS quand même assez rapidement. Et là, je pense qu'on regarde le Herald du côté de l'Atlas. Oh, Fiddlesticks qui se positionne. Ils n'ont pas de vision du côté de l'Atlas de Fiddlesticks. Oh! Un flash de Rell! Et avec aussi encore l'Ignite, on essaie de stunner MF de la farm. On a réussi de refaire ce qu'on a fait plus tôt dans la partie, mais ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. On reste vivant du côté de l'Atlas et on n'a pas de flash ou d'Ignite du côté de Pyronisme. Et comme j'ai apporté au début du draft pick, Belvette qui veut absolument récupérer l'Hérald, qu'il récupère avec une facilité avec l'aide de Johnny Matix. Donc, Kazé qui est déjà en bonne position, même s'il s'est apporté vers deux morts au début. Belvette est tout simplement un personnage qui veut scaler avec ses objectifs-là, plus que les kills nécessairement. Et maintenant, la botlane est un peu mise de côté. On l'ignore un petit peu. On espère que l'avantage qui est sur cette caisse-là sera pas trop bonne pour Mazorlane. Alors, on a Jean-Ni Matisse qui a déjà tué Garen une fois, on l'a pas vu parce qu'on est occupé avec un autre combat ailleurs, qui malmène encore une fois Dr. Cigarette. Je pense que... Oui, mort de Kaiser qui va ulter Dr. Cigarette sous sa tour même, avec son bouclier, son W, je pense qu'il va peut-être réussir. Non, il n'a pas réussi à pas le tuer, mais il va l'empêcher de chercher du CS encore. On est vraiment limité. Oh. Silas qui va voler l'ultimate de Spank Melon et qui va en profiter pour le tuer avec l'aide de Belvette. Alors, ça ne finit pas. Et Johnny Matisse aussi qui récupère au top le kill contre le Garen finalement. Encore une fois, la deuxième fois que l'on ne voit pas le kill de... Oh, on a un ultimate de DJ Pro qui essaie de au moins chasser Atlas de la tour pour ne pas qu'ils aient trop d'or avec les plaques. C'est quand même un ultimate beaucoup plus pour les faire reculer que... De les tuer, c'est quand même une bonne idée d'empêcher, limiter l'or récolté avec ce kill-là dans le mid lane.
Alors, ça fait deux fois que Johnny Mathis réussit à tuer le Garen. On n'a pas pu le voir réussir encore. Il est aussi en train de détruire la tour. Garen qui essaie tant bien que mal. Garen, Dr. Skerret qui essaie tant bien que mal de chasser de la tour pour la préserver le plus longtemps possible. Et qui chasse Johnny. Je pense pas que c'est une très bonne idée ici. Non, c'est pas une très bonne idée parce que Moira Kaiser est un personnage qui va reprendre beaucoup de sa vie, qui va continuer à se battre. Et le kill est récupéré très simplement par Johnny Mathis qui connaissait très bien les limites du personnage et les limites de l'autre personnage joué par Dr. Cigarette. Oui, c'était bien joué de la part de Johnny. Et maintenant, on a de l'action de la mid lane. On a Rell qui s'en va faire un gank avec Vex. Tout le CC va finir par avoir raison de Silas. Peut-être on a un mais non! Ouf! Vex du milieu qui s'en sort in extremis. Le dernier spell de Vex qui était à un poil de toucher pour terminer le kill sur bête milieu. Et non, on le récupère pas. Vex qui doit se mordre les doigts en ce moment. Ah oui, non, ça a vraiment passé proche quand même. Et même on a dépensé le Ignite du côté de Spank Melon pour aller chercher ce kill-là. Et ça n'a pas abouti. Friend zone qui zone, hein? Pyrrhonisme du Control Ward. On va essayer de chercher un stun aussi. Mais là, il y a Vex qui se met en position. Bête du milieu qui revient en aide un peu à Rell. Et ça fait reculer French Zone. Quand même assez égal comme partie dans le bot lane, en tout cas. Contrairement à ce qui se passe en ce moment dans le top lane. Le CS qui est presque égal. Oh, Vex qui rentre, qui est ult, belle bête. Avec Fiddlesticks qui ult simultanément. Un autre ult sur Silas parce qu'on. Et un autre. Ça va épeurer. Bête du milieu. Et il va essayer d'utiliser par lui-même l'ultimate de Fiddlesticks. Mais ça serait un peu trop tard. Silas ne. Bête du milieu ne survivra pas à cette attaque coordonnée. Très bien faite entre Spank Melon et VJ Pro. Johnny Mathis qui récupère la première tour au top pour la classe, première tour de la partie. On a déjà un avantage de pratiquement 4000 d'or pour la classe. Ça regarde très 2000, je pense. 2000. 2000, désolé. Oui. Alors, c'est quand même 2000, c'est un item. Ben, un item. Uh-huh. Presque un item. C'est un bon avantage. C'est un avantage-là qui est beaucoup dans les poches de Johnny Mathis, par exemple. Peut-être vous doit-il apporter ça ailleurs dans la map. C'est probablement ce qui risque d'arriver. Un Mordekaiser qui est fed, il a complété son item, complété ses bottes et un Blast One supplémentaire en plus. Ça peut faire très mal et faire fondre n'importe quel autre joueur de l'équipe adverse et transformer tous les bois en Kaiser. Et on le voit déjà se diriger, il vient d'être voir par la vision des pèlerins. Garen qui va vouloir aller push vers la tour, récupérer un peu de son retard peut-être. Oh, Vex, Spank Melon qui a déjà flashé parce que Mordekaiser a failli l'attraper. C'est là, par exemple, je vais extrêmement agressivement contre Vex, qui est fond, pendant que Vex s'en est lié avec le dragon. C'est deux dragons à côté de l'Atlas, c'est un errant, pas d'objectif du côté des pèlerins encore. Même si on a 5 kills. Et DJ Pro et Spank Melon ont fait du bon travail quand même pour garder leur équipe dans ce match, mais en termes d'objectifs, on n'arrive pas vraiment à contrôler la map du côté des pèlerins encore. On a un flash du côté du Pyrrhonisme, encore une fois, pour essayer d'aller chercher. Oh, Vex qui ult sur Zillion avec 15 sacrifices. On ult aussi pour essayer de déterminer la tâche. On n'y arrivera pas. MF qui n'a pas assez de mana pour utiliser son ultimate. On va devoir reculer. Mais c'est quand même beaucoup de ressources utilisées du côté de. Et maintenant, on a Fiddlesticks qui utilise son Crowstorm avec conjonction avec Garen pour essayer de chercher Mordekaiser. Et Mordekaiser qui annihile, oblitère Garen. Je pensais pas que Garen peut mourir rapidement comme ça, honnêtement. Ah, il n'y a rien qui sera assez pour arrêter ce Mordekaiser-là. À partir de maintenant, ça va prendre beaucoup plus qu'un Fiddlesticks et un Garen. En plus, bête milieu qui vient aider, qui prend du sérieux dégâts et qui va mourir par la tour.
Bête milieu qui voulait venir aider, mais il a servi de distraction pour permettre à Johnny Mathis d'aller chercher pour faire plus de dégâts à la tombe. C'est peut-être ça l'objectif. On va dire que Belvette... c'était ça, un sacrifice. Belvette qui récupère maintenant grâce à la distraction incroyable de Bête milieu sur la tour, récupère le deuxième Hérald, qui la rend encore plus loin dans la partie, qui la rend encore mieux. Et encore là, l'avantage avait été pris du côté des pèlerins en botlane par Kessa, et on a vu encore rien du côté de la botlane des pèlerins pour profiter de cet avantage-là qui avait été donné très tôt dans la partie, qui maintenant ne compte même plus. Oui, c'est vrai, ça. Ils avaient réussi à obtenir un certain avantage avec ce jeu-là qui avait été bien fait en conjonction avec Fiddlesticks, avec DJ Pro. Et non, ça c'est pas concrétisé. Et même que maintenant, on dirait que c'est le botlane d'Atlas qui est en train d'être en position de tuer leur tour en premier. Rael qui se fait prendre par Belvette, mais qui va réussir à utiliser son hook, qui ne réussira pas à utiliser ses habiletés pour... Ah, oh, je n'ai rien dit. Elle va réussir à s'en tirer. Zellian qui est obligé d'utiliser son ultimate pour garder Bête du milieu vivant. Mais on a Vex qui rentre, qui réussit à tirer trois personnes. Avec Fiddlesticks également qui rentre dans la mêlée et qui... Je pense que ça va être... Ouais. Ménage complet du côté des pèlerins. Quasi complet. On a encore Johnny Mathis qui est invincible dans le top lane. Mais je pense qu'on est allé un peu loin du côté d'Atlas là, dans le bot lane. Un kill de plus qui est récupéré sur Kessa, sur Mazorland. Peut-être maintenant voudra-t-il s'en servir un petit peu mieux que dans les débuts de partie. Vex aussi qui est rendu à 5 kills, donc Spank Melon qui a déjà aussi un avantage sur son laner ennemi avec aussi beaucoup de farm en avantage. Bête milieu qui a même pas encore son premier item, on peut le voir. Garen qui flash. Alors c'est encore un écart d'à peu près 2000 gold entre les deux équipes, mais l'écart s'est réduit sensiblement avec ce jeu réussi de la part. Mais là peut-être qu'on reste trop longtemps ici là, avec Pyronis et Motherlane qui vont... Pour reprendre Basilienne et Belvette, là. On a voulu aller chercher la tour, on a réussi, mais ça a coûté. Ben du milieu qui cherche encore quelqu'un contre qui se lancer. On garde une priorité presque permanente dans le top lane. Là, Silas qui va aller chercher le farm dans le bot lane pour continuer à maintenir la pression alors que le dragon s'en vient bientôt. Et on maintient également la pression dans le mid lane. On regarde pour un 1-3-1, je pense, du côté d'Atlas pour vraiment continuer à maintenir la pression le mieux possible pour empêcher le raid. Mais là, on va peut-être surprendre... On va surprendre Friendzone. Oh, Friendzone est obligé de flasher là, du côté de la classe. Ça y est, le surprendre. Maintenant, on sait où ils sont. Et je pense qu'on va devoir dire au revoir à Garen pour une autre fois. Et oui. La sixième fois qui fait donc la sixième kill. Spank Madden qui manque son ultimate. On a essayé, je pense, d'aller chercher soit Friendzone, soit Mental Pitre. Et on a Mordekaiser qui utilise sa téléportation. On sort le Hérald du côté de Kazé. On va aller chercher un autre dragon incontesté du côté d'Atlas. Mordekaiser qui réussit, Johnny Mathis qui réussit à prendre Pyronis, mais qui doit utiliser son je ne connais pas le nom de son habileté. Je pense que c'est son E pour sortir de là. Le Hérald va-t-il réussir à faire des dégâts? On se dirige à 4 pour tuer la tour, la deuxième tour du milieu. La tour ne va pas tomber. Mais on se contente du côté d'Atlas d'aller nettoyer la jungle des pèlerins et à continuer à maintenir la pression. Oh, on veut pas leur laisser que ce soit un mètre de lousse. On veut vraiment reprendre tout de notre côté pour l'Atlas. On veut pas leur laisser aller vers aucun objectif neutre à partir de maintenant. Surtout quand on les a tous récupérés comme ça avec autant d'aide. On se prend 4 contre Mordekaiser qui est obligé de lancer son ultimate. Johnny Mathis qui ult. DJ Pro, est-ce qu'il va réussir à survivre?
on a... il va non seulement survivre, mais on va réussir à tuer DJ Pro. Velvet, on a réussi à tuer Johnny Mathis finalement. On s'y est pris à 4 pour y arriver. Kazik essaie de se sauver avec sa vie, mais non, on va réussir du côté de Garen avec le Tornado Climate, du côté de Dr. Cigarette à tuer deux. Finalement, tuer Johnny Mathis, on a investi 4 personnes pour y arriver. Du côté d'Atlas, le reste, ben, Mental Pit et Fenjon, j'ai pas regardé ce qu'ils faisaient pendant ce temps-là. Mais... je pense qu'on était retourné à la base pour acheter des items. Donc vraiment, à ce moment-là, où c'est que du côté de l'Atlas, on a seulement que Johnny Métis qui est d'avance. On veut se préparer tout de suite à faire le baron, à pusher, à au moins récupérer un inhibiteur du côté de l'Atlas avant de laisser l'avantage en bot lane et en mid lane, qui était plus grand pour les pèlerins, prendre, mm-hmm. prendre trop de place. Nous, en effet, il y a encore un bounty de... Kai'Sa, mine de rien, est 4-0-1. Là. Elle a complété Elle a complété son Kraken, elle a complété son Lord Dominic's Regard. Et les bots, il va être très bon contre Johnny Mathis aussi, d'ailleurs. Là, Lord Dominic, qui détruit les stats défensives de tous les personnages. Que c'est un très bon item à récupérer pour Kai'Sa. Mm-hmm. Donc, on a une avance en or maintenant de 3000 gold du côté de la tasse. Mais il ne faut pas oublier que la partie n'est pas encore perdue. Elle est loin d'être gagnée quand même. D'Atlas. Les pèlerins, avec un bon jeu, justement, en appuyant Kai'Sa, peuvent encore revirer la situation complètement avec un bon combat. On nettoie de la vision autour du baron du côté d'Atlas. Mordekaiser qui est dans le bot lane et qui n'a pas son téléport. Donc, c'est peut-être risqué du côté de la tasse d'aller chercher, de regarder pour le baron en ce moment. C'est probablement pas ce qu'on veut faire. Parce qu'on peut-être qu'on attend plutôt d'aller chercher le sol avant de regarder un autre objectif. Ouh! Spankmanen qui fait quand même très mal. Ah, c'est certain, à récupérer déjà deux items, dont un item de pénétration du côté de Vex, ça fait très mal. Des spells qui sont très gros aussi, durs à éviter, qui vont vite. Très bon personnage, Vex, pour un personnage qui n'est pas très mobile comme Mordekaiser. On a presque fait fondre le corps des points de vie de Johnny Mathis ici, avec un combo. Alors, comme je disais, c'est pas gagné. Faut pas prendre la partie pour acquis. On continue à maintenir la pression, la priorité dans le top lane. On continue à nettoyer autant que possible la jungle des pèlerins pour étouffer leurs ressources financières le plus possible. Et on retourne à la base pour acheter des items du côté de French Zone et de Mental Pit. Donc, Sword du Dragon qui sera disponible d'ici environ 30 secondes pour l'Atlas. Peut-être qu'on voudra du côté des pèlerins aller le récupérer ou au moins déranger l'Atlas qui va essayer de le récupérer. On peut avoir un beau combo Vex Fiddlesticks encore une fois pour un teamfight comme ça, où c'est que tout le monde va être pris dans la rivière ou dans le pit du dragon lui-même. On a quand même une bonne vision dans la jungle des pèlerins du côté de l'Atlas. Deux control ward qui sont dans le coin. Mais là, on a pris position, là. Et on récupère le cadre en plus du côté des pèlerins. Oui, donc là, du côté des pèlerins, on est installé. On va chercher probablement un moment propice aux ult de Vex et de Fiddlesticks, qui sont le combo principal, je pense, qui leur permet d'avoir du succès. Et Johnny Métis aussi, qui est légèrement en retard là, pour le dragon. Oui. Qui avait dû retourner vers la base. Là, on a réussi à surprendre Velvet et avec le ultimate de Fiddlesticks, qui va faire le ménage et pratiquement tuer MF sur le coup. Johnny Mathis qui arrive dans la mêlée, un peu en retard. Est-ce qu'il va réussir à faire une différence? Il réussit à tuer Spankmelon. Mais on est obligé d'utiliser le Zonyaz et Bait Milieu qui va réussir à tuer DJ Pro. Kai'Sa qui va tuer Johnny Mathis. Mais au final, c'est Atlas qui va l'emporter. Ça a été chaotique. J'ai plus ou moins été capable de voir ce qui est arrivé. Mais on a réussi à avoir le ace du côté d'Atlas in extremis, honnêtement, grâce au, entre autres, au ultimate bien placé de Friendzone. Mental Pit est toujours vivant et va aller chercher le Soul Dragon pendant que Bait du Milieu va aller continuer à nettoyer la jungle. Oh, quel combat! C'était
très chaotique, ça allait de tout bord de côté, mais Atlas en finit par l'emporter. On a pu voir que l'Atlas a bénéficié d'un combat qui s'est étendu, qui s'est étalé en plus de temps, parce que Fiddlesticks et Vex avaient réussi tout de même un très bel engage, mais n'ont pas réussi à venir concrétiser le dégât qu'ils ont pu faire. Là. Surtout avec le Zonia de Johnny Mathis aussi, qui a fait patienter certains joueurs, qui ont mis un peu de recul, j'ai l'impression, dans le fait. Après ça, on a pu venir nettoyer ça là, du côté de Belvet, Silas aussi, qui était là, qui a fait du très bon dégât, Belvet du milieu. Un très beau combat des deux équipes. Ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre, mais je n'ai pas vu qui Johnny Mathis a ulté. Non, ça s'est perdu un petit peu dans la mêlée. Hein. Oui, mais c'est probablement fait une différence. Oh, Velvet qui réussit à croiser Dr. Cigarette. Alors, au revoir Dr. Cigarette. Kazé vous dit merci. Mais Fiddlesticks qui va utiliser son Crowstorm pour aller venger Dr. Cigarette. Alors, c'est un pour un. Mais là, c'est, le problème, c'est qu'on vient de tuer le jungler de Atlas. Là. Et là, on se dirige directement vers Mental Pitre avec Vex qui peut vraiment attaquer de très, 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 très loin. Il prend une de son. Et le téléport de Johnny Mathis. On va juste le mettre du côté de Red pour essayer de libérer l'action de Red. Mais on n'arrive pas à achever Mental Pitre sauvé par Johnny Mathis. Est-ce que ça sera un bon pour l'Atlas? Vex a retourné à la base en train de réussir à survivre. Je pense qu'on va essayer de surprendre Johnny Mathis qui attend patiemment. Comme Kazin n'était pas vivant, je pense qu'on n'est peut-être pas allé pour le baron. Mais il le savent, on a de la vision du côté de l'Everin. Quelle erreur du côté des pèlerins ici. Ce qu'on appelle communément un bon vieux face check. Ouh là là. Dangereux. On avait joué un petit peu de. On avait un petit peu de cheese du côté d'Atlas. Et ça a fonctionné. Avec DJ Pro qui est mort, on va pouvoir aller chercher le baron. On peut pas contester du côté des pèlerins. Il n'y a personne qui a le dégât nécessaire pour voler ce baron-là. Contre le smite d'un jungle vivant. On a le dragon, on a une avance de presque 10 000 gold. On a 9 000 gold d'avance maintenant avec ce gold-là supplémentaire. Et je pense qu'on va aller briser la base. Kazé qui empêche Dr. Cigarette de retourner dans sa base. Dr. Cigarette qui a vraiment pas eu, qui a vraiment pas eu la meilleure des parties pour lui. J'ai l'impression qu'il va en avoir besoin d'une après la partie, là. Faut le dire, il était contre un adversaire de taille. Oh, on a Tank Menon qui réussit à aller chercher Mental Pit, mais qui va être ulté par Fudge Zone, qui va rester vivant. Mais on va du côté des pèlerins réussir. Oh, on a Kaiser à flasher, mais on s'en va chercher l'inhibiteur. Johnny Mathis et Kazé qui s'en vont chercher l'inhibiteur pendant qu'on est allé chercher MF du côté des pèlerins. Alors on a sacrifié un inhibiteur. Et pendant ça, là, Ben du milieu qui est venu venger l'ADC de Atlas. On continue à démolir la base. On veut finir la partie, tout simplement. On veut finir la partie. On essaie du côté de Djibo, on essaie de nettoyer les champions qui restent et de nettoyer les minions pour sauver la base. Mais ça, on n'y arrivera pas. Et c'était... voilà. Et ça va être la partie, justement. Ça va terminer. Je pense que c'était une partie signée. Johnny Mathis. Ben, ouais, Kazé et Johnny Mathis. Ils ont fini ça dans le topin. Après un baron, après deux Zérald, qu'est-ce que tu veux faire contre une Belvette qui tape sur tes tours? Tu peux rien faire à part attendre, prier que quelqu'un d'autre va venir t'aider réellement. Mm-hmm. Alors qu'ils avaient. Qui n'était pas. Visibles, ils s'en sont pris dans le mid lane à l'ADC, au support, pour essayer d'aller, j'imagine, débarrasser de deux barons, deux baron buffs, qu'on se disait, mais ça allait ouvrir la porte toute grande à Johnny Mathis et à Kazé de tout simplement rentrer dans la base, dans le top lane, et finir d'achever la base. Non, ça a été une très belle partie, qui a au début un petit avantage qui n'a pas été vraiment
série qu'on n'a pas vraiment profité de du côté des pèlerins. Peut-être qu'on aurait voulu prendre un meilleur avantage de ça. Peut-être que Fiddlesticks aurait voulu... Peut-être que DJ Pro aurait voulu venir aider plus souvent la botlane, aller chercher la tourne un peu plus rapidement pour voir... pour peut-être un peu pallier aux dégâts qui étaient contre Docteur Cigarette en top lane. Peut-être aller mettre un peu d'effort de l'autre côté de la map. On ne l'a pas fait, par contre. Puis je crois que ça a coûté un bon avantage de la partie, là. Oh, ils ont eu la possibilité d'aller chercher des picks très intéressants avec DJ Pro, là, son Fiddlesticks, avec Vex, le Vex de Spike Melon. Ils sont allés chercher des kills à des moments. Ils ont réussi à surprendre Atlas, mais ça ne s'est pas concrétisé véritablement un avantage sur la carte. La pression a été presque systématiquement du côté des pèlerins de la part d'Atlas. Ça fait une très belle partie, par exemple. Merci à tout le monde d'avoir été là, de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de partager, de suivre la chaîne et de continuer à suivre à la fois les Atlas et les pèlerins pour les matchs qui vont suivre pour le reste de la saison. On vous attend la prochaine fois, la semaine prochaine, pour un autre match. Merci beaucoup à tout le monde. Bonne soirée, Merci Gabriel. À tout le monde. Bonne soirée, Vincent. Et à la prochaine. Au revoir.